bienvenue dans tous les chemins qui nous mènent aujourd'hui à Thoriac, en Gironde, dans les Côtes-de-Bourg, à la rencontre de Guillaume Rodet. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Pierre. Alors vous êtes le vigneron, propriétaire du château Brûle-Sécaille ici. Les vendanges ont commencé, des vendanges en blanc. Comment ça se passe ? Bah écoutez, ça se passe très bien, le temps est plutôt clément, un couvert nuageux, donc c'est l'apothéose de toute une année de travail, donc on est plutôt content. Et une année particulière, un millésime très très dur à tenir. Pourquoi ? Il y a eu le gel mais aussi du mildiou ? Exactement, avec beaucoup de pluie favorable au développement du mildiou. On a réussi à le contrôler en réduisant les traitements, mais on a réussi à le contrôler. Donc la vendange est plutôt saine et à maturité aromatique. Et surtout l'alternance des nuits fraîches et des journées chaudes ont favorisé ce développement. Et pourtant, il y a eu pas mal de précipitations, pas mal de pluie, pas loin de 1000 mm en un an. Exactement. C'est inédit. Alors, les années ne se ressemblent pas. L'an dernier, on avait commencé au 28 août. Cette année, on est le 15 septembre. Avec des aléas donc assez dantesques, le gel aussi au mois d'avril. Oui, alors on a la chance d'être sur une butte et donc ici à Brûle-Sécaille, même en 56, on n'avait pas gelé. Et voilà, donc c'est une chance. Si vous faisiez les vendanges, j'avais la main gauche, j'avais des sparadraps dans tous les doigts. Bonne ambiance là quand vous faites les vendanges. Oui, bien sûr, impeccable. Toujours, chaque année on se retrouve. Et... Chaque année on se retrouve. C'est un grand plaisir. Hein, c'est un grand plaisir. Et ça nous tardait même, avec tout ce qu'on vit en ce moment. On va voir ce que ça va donner. J'espère un bon vin blanc, bien sucré. Comment vous les menez, ces sauvignons blancs? Ils arrivent au chai et directement, ils vont partir dans des barriques? Alors, c'est ça. Donc, c'est un pressurage direct. On grappe entière. On lance la fermentation au cuvinox et on entonne directement en barrique de 400 litres. Donc, ça fermente en barrique entièrement. Après, on met en bouteille au bout de 5-6 mois. Le vin est mis sur orbite et après, voilà, il vit sa vie en bouteille. Voilà, et parmi les autres vignerons que nous allons rencontrer, c'est dans les autres côtes juste à côté, en Côte de Blaye, Blaye-Côte de Bordeaux, avec Éric Bantegny à la tête du château Aubertinerie. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Pierre. Alors vous avez ici 78 hectares, dont 18 de blanc que vous êtes en train de vendanger. Est-ce que finalement vous allez réussir à faire du vin ? Ah, j'espère quand même, oui. On a des petits rendements parce qu'on a souffert du gel, comme beaucoup ici en Gironde. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va faire du vin, oui, même du très bon vin, en tout cas pour ce qui a été sauvé, ce qui a été épargné par le gel. Alors vous avez gelé au mois d'avril, vous avez pris combien ? On a pris moins 7, ça c'est déjà la température, et puis après on a pris moins 50, c'est le pourcentage de perte. Et après, il y a eu cette période de pluie incessante, 2000 dioux. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Eh bien, écoutez, un grand stress, mais malgré tout, on a contenu la pression de la maladie. On pouvait regarder, les feuilles sont jolies, il n'y a pas de mildiou sur grappe, on est propre, on est bien. Malgré des traitements, en agriculture raisonnée et même très raisonnée, mais on a réussi à maintenir la pression et on a un joli résultat aujourd'hui puisqu'on a une belle vendange. Alors vous n'êtes pas les seuls, hein, bien sûr. En France, il va y avoir 29% de pertes, 33 millions d'hectolitres qui sont annoncés par le ministère. Vous, ça va faire une récolte d'à peu près la moitié ? Oui, à peu près. Là, sur les blancs, là, actuellement, on est sur 25-30 hectohectares grand maximum. Certaines parcelles de rouge ont été épargnées. On a des rendements à peu près normaux. Et les parcelles qui sont partiellement touchées, on ne sait pas encore parce qu'on va rentrer dedans, je pense, d'ici une dizaine de jours. Et puis, il y a des parcelles qui sont très touchées dans lesquelles on ne rentrera même pas parce que là, ça ne vaut pas le coup d'aller ramasser 3 ou 4 ou 5 hectohectares. C'est dérisoire. Alors, même si le millésime 2021... va être, on ne sait pas, bon ou moyennement bon, ou voire très bon, on ne sait pas encore. On sort de trois grands millésimes, 2018, 2019 et 2020 à Bordeaux. Écoutez, c'est dans les millésimes difficiles qu'on voit les grands vignerons et les grands terroirs. Je pense qu'on fera bon, j'espère qu'on fera bon. On sait bien parti en tout cas, les volumes seront faibles, mais je pense qu'on fera bon. Ça reste finalement un métier de paysan. Ah ben complètement, oui, on vit avec la nature et puis on en est totalement dépendant et puis bah écoutez, on n'en meurt pas, hein, la preuve. On se retrouve au château Grand Launay avec Pierre-Henri Cossins. Bonjour Pierre-Henri, alors ces vendanges, ça s'annonce bien pour vous ? Plutôt pas mal, malgré un millésime qui a été très éprouvant.
Et quand on est en biodynamie comme vous l'êtes, est-ce que c'est pas encore plus difficile ? Ah, plus difficile, certainement. Hein. Ça demande quand même une certaine connaissance agronomique, un soutien de formation, un soutien technique qu'il ne faut pas négliger, ça c'est sûr. Alors dites-nous, on dit souvent que dans des vins en biodynamie, on sent davantage le goût du raisin. Est-ce que c'est une vérité ? On parle beaucoup de minéralité, de choses très particulières sur la biodynamie. Oui, on se plaît à croire qu'il y a quand même une réelle différence. On fait les choses différemment, on apporte au terroir un soin particulier. Comment imaginer que la vie ne nous retransmette pas ça ? Et derrière, on apporte aussi de la présence animale, de la présence humaine. Ce n'est pas que de la poésie, tout ça. Il y a une réelle envie d'aller vers quelque chose un peu plus polyculture. On n'est plus dans la monoculture que l'on connaît depuis 20 ans. À consommer bien sûr avec modération, et quand vous ouvrirez une bouteille d'un vigneron, comme le dit très amicalement Pierre Arditi, vous goûterez aussi l'âme du vigneron. Ainsi se terminent Tous les chemins, Carpe Diem, et à bientôt sur Tous les chemins.